Mardi 23 octobre 2018, bonsoir tout le monde, bienvenue dans Téléjournal là, sous télévision nationale d'Haïti, mais un grand titre pour Assoya. La présidence l'a démenti information qui a circulé sur les réseaux sociaux comme quoi machine yon membre de la famille présidentielle là a subi attaque armée moun yo pas arrivé identifié. Gouvernement haïtien signé un protocole accord avec gouvernement japonais sous développement programme économique et social. Cérémonie en déroulé mardi 23 octobre là dans le ministère Affaires étrangères. Commissaire gouvernement paquet Port-au-Prince-Lan, maître Oknam Klamedameus, présenté plusieurs documents li recevoir suite à qui en série correspondance li était adressé à plusieurs institutions dans le pays sous gestion fonds Petro-Caribéa. Et puis plusieurs cailles envahies à l'eau et puis la rio chargée la boue à cause ouragan Willa qui sous route pour frapper pays Mexique mardi 23 octobre 2018 là. Ouragan Willa doit frapper côte nord-est Mexique non moment cap vinio avec vent cap soufflé jusqu'à 240 km/h. Amis téléspectateurs, n'a pas invité nous rester branchés ces titres à yo avec pile l'autre information qu'a fait essentiel journal là pour Assoya. Yo faut qu'on a salué et puis remercier tout le monde qui branchait téléjournal là sous télévision nationale d'Haïti. N'a démarré ensemble avec information yo sans perdre du temps pour nous faire qu'on est jeune tout annoncé dans grand titio. Bureau communication la présidence poté un démenti formel par rapport à information qui a circulé sur réseaux sociaux yo comme quoi machine yo membre dans famille présidentielle là a subi attaque armée moun yo pas arrivé identifié. Bureau communication, la présidence l'a demandé tout secteur, la population, pour pas prendre au sérieux vieille information sa yo qui vient tourner en pratique depuis quelques jours en d'un pays. Et puis, n'a fait qu'on ait un gouvernement haïtien signé un protocole d'accord avec gouvernement japonais sous développement programme économique et social. Cérémonie en déroulée mardi 23 octobre dans le ministère Affaires étrangères en présence d'un représentant ministère Travaux publics et ministère Agriculture, directeur général BM Padlan, directeur à CAD dans le ministère Affaires étrangères et tout. Signature à quoi ça a fait dans le cadre de coopération pays-Japon a porté dans la réalisation caravane changement pour un plus bon résultat dans le bénéfice population haïtienne. Compte rendu Fallon Delphin avec Hervé Pierre. Donc ça, pour le programme développement économique et social évalué à un montant 500 millions yens japonais, lié à 400 millions 400 000 dollars américains. Montant ça pour servir pour acheter équipement local destiné pour construire route agricole dans le pays. D'après l'ambassadeur Japon en Haïti, Yoshiaki Yata, geste ça pour continuer pour consolider les relations amitié qui relient deux pays depuis 60 l'année. Je suis heureux de pouvoir témoigner la nouvelle page de la coopération dans ce domaine. La coopération d'aujourd'hui a l'objectif non seulement d'entretenir les infrastructures routières, mais aussi peut servir au mouvement des peuples et des biens et promouvoir l'agriculture, d'activer l'économie et la commune et de réduire la pauvreté. Je suis heureux que le Japon puisse soutenir les divers engagements du gouvernement et la caravane de changement entamée par son Excellence le Président de la République. C'est une contribution directe dans la caravane de changement qui pourrait améliorer le bien-être de la population, hein, d'après le ministre des Affaires étrangères, Boshite Edmond. Cette nouvelle intervention de la coopération japonaise en Haïti, à côté des autres programmes habituels, dont le pays bénéficie chaque année, est une contribution directe et expresse aux activités de la caravane de changement. Cette stratégie novatrice du chef de l'État, visant à optimiser les actions gouvernementales,
afin que celle-ci puisse produire les meilleurs résultats et ou avoir les meilleurs impacts possibles sur le niveau de bien-être de la population. Grâce à ce programme, dont le montant s'élève à 4,4 millions à 500 millions de yens, soit l'équivalent de 4,4 millions de dollars américains, le gouvernement va pouvoir faire l'acquisition des divers équipements, agricoles notamment. Travers à COSA, le gouvernement japonais a engagé pour exécuter DONSA en monnaie japonais sous son compte l'État haïtien. Le gouvernement haïtien a engagé pour accorder aux Japonais services et facilités nécessaires pendant ces jours dans le pays. Deux parties ont engagé autour pour consulter une autre dans le cas de problème dans l'exécution à COSA. Merci Falande avec Hervé. Dossier justice Cognan a fait qu'on ancien premier ministre Laurent Salvador Lamotte pas répondre. Invitation chef paquet Port-au-Prince pour aujourd'hui mardi 23 octobre l'an à cause avocat lié au pâte disponible pour accompagner le. Dans son sac. Le gouvernement, maître Oknam Klame Dameus, informé l'Abgain pour lui relancer invitation pour une autre date. Précision, commissaire gouvernement Port-au-Prince. Il y a deux principes que l'on invite au monde pour fonctionner dans un état de droit. L'invitation, il y a un inconvénient qu'il évoque, qu'on y a au même ou gagné comme responsable autorité pour mal garder. Quel est le bien fondé de sa demande, qui argumentation qu'elle a avancée pour me connaître, qui nouvelle décision qu'elle m'a prise. Est-ce que, pendant que je suis là, confirmation oui, nous tous connaissons M. Lamotte invité. Et puis, deuxième approche là, c'est que l'avocat l'écrit. Et qui ça a évoqué dans l'être là, c'est parce que le conseil de l'ordre là, tu as gagné un problème avec la police. En attendant qu'elle joue une solution à ce problème, non, c'est difficulté pour l'État de joindre un avocat qui peut accompagner. Et c'est normal. C'est de bonne guerre. Si l'avocat n'est pas disponible, mais supposé lui-même, tant que l'avocat est disponible, laissez-le pour accompagner pour venir répondre à la question. Je n'ai pas gagné objection avec ça. Ce n'est que nous pouvons regarder, puisque nous avons regardé déjà que nous avons plusieurs invitations déjà qui sont en cours. Je n'ai pas gagné dans la tête pour nous dire qui joue. Même on va l'envisager qui est supposé présenter dans le paquet moyennant dans l'espace temps pour nous capables de chita avec Baroua pour nous joindre éléments de solutions qui gagnent à des problèmes. On a profité enchaîner ensemble avec ancien commissaire gouvernement Port-au-Prince, maître Francisco René, qui t'a intervenu dans mise au point jeudi mardi 23 octobre là, sous dossier Petro-Caribéa, qui t'a porté explication sous diverses étapes procédures, la loi fixée dans quatre dossiers ça. Maître Francisco René, invité gouvernement, prend bonjour Mézi pour gagner stabilité dans la société. Pour respecter le principe 3 pouvoirs, dans l'idée pour permettre la justice continuer à faire travail. En suivant bout dans l'intervention. Nous avons un droit qui relève Romano, la famille Romano-Germanique. Qui c'est un droit, tout ça qui a fait là-dedans, c'est procédure. Il y a la forme, il y a le fond. Et forme là, c'est toute question. Il y a un droit. En la gang, on va le fond depuis la forme là, au cassé, vous voyez le tourner. Donc, nous avons un droit qui n'est pas même avec le commandement aux États-Unis, qui c'est un droit qui est allé dans le fond. Mais nous-mêmes, c'est la forme qui prime le fond. Mais si on a dit, on ne peut pas faire tout pour nous faire démagogie, ben là, pendant que nous avons respecté les procédures, et puis t'as passé. Certainement, c'est là, et moi-même, m'a invité le gouvernement. Et des trois pouvoirs, le principe des trois pouvoirs, de séparation de pouvoir. Séparation de pouvoir. Ce principe, Montesquieu était où elle, dans l'esprit des lois, il dit c'est pour une part empiéter sur l'autre. Parfait. Et là, on empiéter sur l'autre, il y a des gars, parce que c'est l'équilibre, trois principes, ça a établi. Au cas de déclencher l'action publique, c'est l'imba d'expliquer deux façons. Le cas de déclencher par le chef de la poursuite pénale
est capable de déclencher par un citoyen qui dit m'a porté plainte soit dans un tribunal de cette police pour demander de déclencher l'action publique, mais ce sont crimes mal devant cabinet d'instruction. Le mal devant cabinet d'instruction qu'on y a porté plainte, moi, il n'y a pas qu'à instruire parce qu'il faut avoir au moins la parole du chef de la poursuite. Parce qu'il n'est pas instruit pour lui, il est instruit pour le chef de la poursuite, qui est le commissaire gouvernement. Il voyait dossier à bail commissaire gouvernement. C'est ma point de dossier de Caribéa. Commissaire gouvernement, lui rend un réquisitoire, alors lui adresse un rapport qui nous est le réquisitoire des non-informés, souvent ça me dégage, pour dire commissaire gouvernement et juge d'instruction, hein? Pas instruit soit fait ça, parce que lui devant yon instance administrative, qui c'est la Cour supérieure des comptes. Juge d'instruction, hein? Pour appeler des déportés. Gagné on l'autre yon juge d'instruction qui choisit. Puisque juge commissaire gouvernement te gagné envoyé un réquisitoire, quel est un réquisitoire d'informé? Quel est un réquisitoire de non-informé? Commissaire te dit un bagaille. Juge d'instruction, hein? Faut li quand même ren ordonnance li. Ce que là, li pa ka li même ren ordonnance de non informé. La loi est interdite. Ok. La loi est interdite au niveau juge d'instruction pour ren yon ordonnance de non informé. Nous allons poursuivre ensemble avec député circonscription des Dunlans, Baudelaire Noël Saint, qui encourage l'exécutif à continuer à voyer signal par la population dans le procès sous dossier Fonds Petro Caribéa. Dans ce qui a été fait, il y a 25 compagnies qui ont un contrat. Député Noël Saint souhaitait une démarche qui fait bon côté gouvernement pour gagner lumière sous contrat ça. En suivant bout dans la déclaration dans le micro Fedner confident avec l'Aurore d'Arly Jean-Jacques. Il y a une recommandation qui fait en dans le dossier Sénat est préparé, il y a relevé environ 25 compagnies qui ont un contrat à exécuter. Si l'exécutif prend mesure, te mette compagnie ça en demeure pour remettre comme là, ça t'a bon signal. Yo mette pile compagnie qui gagne comme dans mais qui va faire contrat en demeure pour yo dit bail comme ça. Service concerné yo aller carrément diligenter une enquête qui pour bail résultat bien vite pour dire on série de contrat qui t'est bail. Mais qui ça yo yé et mais qui cob qui t'a dû là-dedans yo. Eu égard à comme yo coûté yo. Toujours dans le dossier Petro Caribéa, commissaire gouvernement paquet Port-au-Prince-Lon, maître Oknam Klamé Dameus, présenté plusieurs documents, li recevoir suite à qui une série correspondance li était adressée à plusieurs institutions dans le pays sous dossier gestion fonds Petro Caribéa. Maître Oknam Klamé Dameus fait qu'on a un document sa yo pour aider li joindre quelques éléments en plus dans le cas d'enquête la menée sous dossier fonds Petro Caribéa. On suit explication. 20 septembre, moi t'ai adressé 7 correspondances à un ensemble d'institutions étatiques. Ça a été demandé pour communiquer toute information yo gagné dans cadre dossier Petro Caribé ou affaire Petro Caribé. Effectivement, toute institution ça yo commencé à communiquer le dossier. Il a fourni le dossier puisque c'est moi qui pour rassembler dossier. Pour que vous venez contre les ministres, contre les directeurs généraux, contre les contractants qui sont dans le film privé, contre les films de supervision, les gens qui ont gagné, il faut que vous répondre à la question paquet pour être capable de confronter l'information que vous avez dans le salon, puisque vous même pour vous venez dire qui engagement vous avez pris dans le salon. Quand vous avez fini, il faut mal garder l'information dans moi. Est-ce que je vais pénaliser? Pénaliser, vous dire, est-ce que c'est crime? Est-ce que c'est délit? Je dis, je ne vais pas faire une information dans moi. Et puis, quand vous avez mettre devant le tribunal correctionnel, ou bien l'autre côté, il faut que vous ayez jusqu'à travail sous dossier, ça nous relève à faire Petro Caribé. C'est là qu'on y a pour tout le monde focus. Information pour rassembler, il n'y a pas pour moi. Il n'y a pas pour arriver.
pour aller jouer juge là. Nous avons fait un dossier pour faire politique là-dedans. Qui j'ai projeté exécuté, donc pas travailler tout le monde. Petrocaribe a fait depuis 2008, il signe depuis 2006, il commence à exécuter depuis 2008, nous en 2018, et m'kwè dernier résolution Petrocaribe prend en 2016, ça veut dire, pas grand question de Jodia, n'est qui président, n'est qui ministre, avant hier, n'est qui président, n'est qui ministre, c'est tout responsable qui était passé dans l'État. Depuis tant que Petrocaribe a l'étape exécutée, projet a réalisé, et puis depuis les sorts de responsabilité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire bon, bon matin, on va le lever, et puis sous prétexte qu'on sont politiciens, bon, ou un dossier qui pour bon la parole, qui pour bon aura, et pour jouer à bagaille. Moi, je pense que faut gagner ça crée le sens de responsabilité. Et ça m'a dit là, ça m'a le sens de responsabilité, l'État baille de mon mandat, et parmi mon sa yo, moi c'est un homme qui a mandat pour me faire travail que yo mandé a, qui s'allie, eh bien le dossier, l'affaire de Petrocaribe, je dis en a cherché la dernière, est-ce qu'il y a une infraction? Et samedi, moi parler en fonction de l'article 13 du code d'instruction criminelle, qui ban mandat, et qui pas limité temps mandat, qui dit pour me chercher. Tout ça qui est crime, tout ça qui est délit, et puis l'emouel, c'est dossier complexe, m'a demandé un juge pour vérifier pour moi. C'est ce qu'on est en train de faire. Ça veut dire, toutes les informations que vous recueillez dans le dossier qui vient là, il y a bien pour y aller contre le juge là. La nouvelle, ça veut dire, pas de problème entre juge d'instruction et commissaire du gouvernement, parce que le commissaire du gouvernement cherchait les informations pour le juge là, et puis moi-même, m'a demandé le juge là pour aller chercher pour moi indice qu'elle joue en dedans. Information ça yo pour me connaître qui moun kap gagné pour y aller dans prison, qui est kap gagné pour y aller dans tribunal, pour y aller juger, ça pral di ou pral dans prison coupable, remettre l'état comme li côté volé, al prend prison pour yo. Voilà job que m'gen pour me faire. N'a quitté dossier Petrocaribéen pour nous poursuivre ensemble avec Mouvement Unité pour une action concrète pour commune Pilate, une ACOP qui présentait bilan recensement après tremblement de terre 6 octobre qui s'est passé à dans Grand Noa. Responsable une ACOP l'en fait connaît 833 cailles qui endommagées à 14 moun qui blessés dans commune Pilate à pendant tremblement de terre là. Reportage Sainte-Croix-Paki avec Fresnel Toussaint. Là, nous dans la troisième section communale Ravine Trompette, dans la commune Pilate, autorité locale yo expliqué, yo enregistré 833 cailles qui endommagé 14 moun blessés pendant passage tremblement de terre sous commune ça samedi 6 octobre 2018 là. Vice-délégué arrondissement Plaisance Pilate là, Serge Théus à Kazek troisième section communale Ravine Trompette là, attirer attention l'état central sous nécessité pour faire intervention sous commune Pilate. Pilate c'est côté dans le département Noa et tremblement de terre a fait plus de dégâts. Par exemple là dans section communale nous il a ravine nos bêtes ou ouais chambre saute d'eau là mais on caille qui censé à terre plate. Nous t'a qu'à considérer 833 maisons ça nous dénombrer là comme un bilan partiel jusqu'à présent parce que gay en pile l'autre données qui gay pour venir joindre nous. Encore, mais affecté, gen ça qui, gen ça c'est de dommages légers, gen ça qui grave, gen ça qui censé détruire net. Ouais. Par contre, là qu'on y a là, n'a demandé à l'État central, ouais, pour que yo vienne en aide à la population, parce que gen moun se nan abri provisoire, et la pluie a tombé depuis presque 15 à 22 jours là, ouais, moun sa aux abois. Ouais, gen pile kay qui déjà fissuré ou elle est là plus en dedans ou moun obligé rentrer encore. Bon, ça c'est grave. Ouais, ou moun pas supposé vivre comme ça. Et dans situation moun y a vivre là, moun yo gon grain bagay que y a tant c'est aide y a tant. Et non seulement aide nous ouais comment nous ouais et section nous comment y a alors commune là, nous pas moun yo pas tant et kit alimentaire. Moun yo c'est kay yo qui crasé. Yo même yo besoin comme si pour nous venir n'apporter étol pour yo n'apporter ciment pour yo n'apporter des pacates pour yo au moins pour que moun yo sorti dans situation qui a vivre là
les lab tombe pour qu'elle pas sauter encore, au moins pour yo vivre yon façon qui plus ou moins. Après passage tremblement de terre sous Pilate, et les locaux yo fait connait, y a continué à accompagner population hein, pendant y a prêté tant moyen bon côté autorité concernée pour venir en aide à habitants commune ça. Merci Paki ak Fresnel. Moment arrivé pour une première autre pause, pas déplacé, Naptouna. Merci parce que nous toujours été branchés téléjournal sous télévision nationale d'Haïti. Deuxième tranchant a démarré avec groupe Croissance qui bail classement 10 derniers pays d'après indice compétitivité mondiale. Président groupe Croissance là, Kessner Farrell, fait qu'on est 99% dans PIB économie mondiale là prend en considération. États-Unis placé en première position, Haïti placé comme 138e pays avec un pourcentage 36,5%. Kessner Farrell rappelait, moyenne compétitivité mondiale là, c'est 60%. Président groupe Croissance Lan, Kessner Farrell, tenant micro Stéphanie Charles avec l'Aurore d'Arly Jean-Jacques, l'abonnons plus détails. La compétitivité, c'est pas simplement l'affaire économique. Et on nous dit que les investissements dans le capital humain ou une fiscalité progressive ne constituent pas des obstacles à la compétitivité. Et comme vous savez, Haïti étant le pays le plus inégal au niveau de la région, donc en luttant contre l'inégalité, en réduisant l'inégalité, le coefficient de Gini, ça permettra à Haïti d'avoir de meilleures notes. Dois-je préciser de la méthodologie également que 140 pays ont été consultés, Haïti en fait partie, ça représente 99% du PIB mondial. Donc ça vous donne une idée de la validité de ce rapport. 99% de l'économie mondiale a été prise en considération. Et 94% de la population mondiale avec ces 140 pays. Donc voilà le classement, c'est les États-Unis qui est en première position, comme vous pouvez le voir. Et on a changé également d'échelle. Dans le temps, c'était un sur 7. Maintenant, on va sur 100. Donc, 85,6 sur 100. Singapour, encore en deuxième position, comme d'habitude, 83,5. L'Allemagne, en troisième position, 82,8. La Suisse, qui avait dominé pendant 9 ans, se retrouve en quatrième position, avec 82,6. Et le Japon, 82,5. Donc, voilà les 10 premiers de la classe. Si vous voulez trouver Haïti, on sait bien où aller facilement et rapidement. On dit dernier, bah ouais. Mais avant d'arriver à Haïti, regardez la Jamaïque qui est classée en 79e position avec 57,9. Dois-je vous dire que la moyenne au niveau mondial de la compétitivité est 60 sur 100. La Jamaïque 57,9, la République 57,4 et Haïti se retrouve en 58e position avec un score de 36,5 sur 100. En termes de classement, nous avons perdu 5 places, on était 53e l'année dernière, mais en termes de score, c'est 0,5, plus 0,5, donc ce n'est pas suffisant. Donc après Haïti, on retrouve le Yémen avec 36,4 et Tchad avec 37,5. Donc voilà le 10 dernier de la classe, et si on fait la différence Jamaïque-Haïti, 57,9 moins 36,5, vous allez voir qu'il y a plus de 20 points de différence entre les deux pays. Nous allons parler agriculture ensemble avec ministre agriculture, ressources naturelles et développement rural. Jobert C. Engrand qui visitait samedi qui était 20 octobre. Deuxième section, Grand Plaine, commune Tomazo. Visite ça faite dans le cadre de lancement de campagne agricole hiverlan ministère. Reportage Roosevelt Desrosiers avec Jean-André Chéry. À travers visite ça, ministre agriculture, ressources naturelles et développement rural là, Jobert Séangrand, t'es fait environ dans Saline Coustard, Aximulso, deux zones dans deuxième section Grande Plaine, commune Tomazo. Dans Saline Coustard, ministre Séangrand, t'a constaté travail canal irrigation, un combi de cultivateur, à quelques citoyens intéressés, face à support en matériel ministère. L'initiative ça te prend dans l'idée pour combattre sécheresse qui t'a mal mené deuxième section Grande Plaine depuis 4 années. Nous avons commencé le 6 août. Donc l'année a commencé, nous avons commencé avec 150 habitants. Et maintenant sous base ça, et population a continué à augmenter dans le travail irrigation.
Et après ça, nous avons pris le temps pour nous inviter directeur phylogène, comment nous sommes capables d'accompagner. Donc finalement, maintenant, deux semaines après, nous avons venu jouer dans pelle mécanique. Et pelle mécanique, ça te permet que dans un mois, quelques jours, nous avons arrivé à venir avec l'eau. Le canal là, il est situé sous 4000 hectares de terre. Mais l'eau qui là, il est capable d'user seulement environ 1000 hectares. Zone posée, c'est Dumleso, Saline Kousta, en partie. Et nous avons Bagorman, nous avons Boutin qui sont en grande station en dedans, deuxième grande plaine là. Rivé dans Dumleso, ministre Jobert, c'est un grand, t'es chita parlé avec quelques citoyens. Lisez en yo, t'es exprimé reconnaissance yo pour si pas le gouvernement pour te bayo. Cependant, je souhaitais plus encadrement dans l'idée pour aider la deuxième section Grande Plaine développer. N'a pas demandé ministre là en premier lieu, pas oublier nous dans spécimen qui gagne spécialement pour bête, poule, mouton, etc. Bon, au contraire, on est tellement mal et loin. Il dit dans 3 dans 4 ans encore si moun k'ap fèt yo pa konn sa yo les bœuf, yo pa konn sa yo les cabrit, etc. Parce que non seulement a l'élevage est difficile parce que nous quand si la pluie pas tomber et pas gagner zèb pousser, pas gagner élevage, pas oublier plante yo pas connaît parce que ici dans zone deuxième section hein, pas gagné vraiment à fruitier. Mounio, l'œil a planté. Il a besoin d'encadrement. Ministre agriculture, ressources naturelles et développement rural là, promet gouvernement à continuer à accompagner la population grande pleine non. Les rassurer habitants yo, ministère a voyé plus matériel, semences et bétail pour yo. Dans quatre visions, président, nous connaît qui dit que faut mettre manger dans assiette pour yo. Donc le gouvernement Moïse a ramassé vision ça pour nous capable permettre que les producteurs joignent manger et yo capable joindre de l'eau, capable joindre semences pour capable travailler. Donc ici à nous venir non seulement tracteurs que nous déjà bayo, semences que nous déjà distribué, nous venir garder ça producteur commencer faire avec eux. Effectivement, nous sommes capables de boire des dominants. Non seulement nous avons des terres qui déjà gagnent de l'eau sur eux, et nous avons des maïs, et l'autre bois nous sommes gardés déjà du riz, et même des betteraves qui plantent. Donc, on compte quitter presque, on nous dit, sécheresse, tape manger mounio. Actuellement, donc la vie après commencer. Campagne agricole hiver, ministère agriculture, ressources naturelles et développement rural là, visé pour participer au secteur agricole là, dans différents coins dans le pays. À travers campagne ça, le ministère a compte distribuer semences, bétail et puis bail formation à agriculteurs. Et puis, nous fait connaître le ministère environnement organisé mardi 23 octobre là, et en cérémonie pour remettre officiellement plusieurs appareils polymètres by direction cadre de vie et assainissement en don ministère. C'est OPS OMS qui fait ministère environnement don polymètre Sayo qui prend le service pour évaluer niveau pollution en d'un pays. Dans la cérémonie, responsable OPS OMS et ministère environnement yo soulevé importance appareil sa yo, surtout pour mettre campé un réseau national qui prend là pour évaluer niveau pollution dans plusieurs côtés dans pays. Un extrait dans micro Roosevelt Desrosiers avec l'Aurore d'Arly Jean-Jacques. La qualité de l'air, c'est une problématique qui est de plus en plus importante. On voit qu'en 2016, l'estimation est qu'il y a eu environ 4 200 000 morts prématurées qui ont été dues à la mauvaise qualité de l'air. Quand on parle de santé publique, on parle toujours de facteurs de risque qui attaquent, disons, la santé des individus, la santé des populations. Et un des principaux aujourd'hui dans notre région, c'est la qualité de l'air. Pourquoi? Parce que dans l'air, on trouve souvent beaucoup de particules fines, et c'est des particules qui sont très petites, aussi bien que des gaz qui sont nuisibles pour la santé. Monsieur le représentant de l'OPS OMS, en donnant ces trois polymètres au ministère de l'Environnement, l'OPS OMS contribue déjà au montage de ce que le ministère appelle un réseau de polymètres au niveau national pour la surveillance de la qualité de l'air. Ainsi, avec le montage de ce réseau de polymètres,
Le ministère de l'Environnement disposera enfin d'une base de données sur les différents polluants de l'atmosphère, particulièrement quatre gaz et des particules fines, en vue d'améliorer la qualité de l'air au sein de la population. Le ministère disposera également un plan de surveillance des sources d'émissions des différents polluants atmosphériques. Le ministère élaborera en quelque sorte donc des valeurs limites et guides pour la qualité de l'air et une cartographie de bruit sera donc élaborée en vue de réduire les nuisances sonores. Parce qu'il faut dire que ces polymètres-là ont un avantage parce qu'il y a une sorte de couplage entre le polymètre et le sonomètre qui est là pour mesurer les nuisances sonores. Comme vous le savez aussi bien que moi, et les nuisances sonores constituent également donc un problème majeur pour donc la société haïtienne. Kounyan a fait connaître plusieurs organisations qui défendent les droits des handicapés dans tête collée avec Disability Rights Fund qui lance ensemble projet organisation yo abgain pour réaliser dans cadre intégration moun handicapés yo. Naftala Denis et Hervé Pierre a dit nous plus sur ça dans un reportage en suivre. ASLH, CCAPH, CNDDH, UFMORH, OPDAV, CONAPH fait partie de 12 organisations qui ont réalisé projet pour faciliter l'intégration des personnes handicapées. Swanet Désir, coordonnatrice générale Union Femmes Handicapées d'Haïti, n'a sans ça déclaré. Tout ça l'abtonne, c'est pour l'État prendre les mesures nécessaires pour permettre l'application de la loi Mars 2009. Organisation nous, c'est Union des femmes à mobilité réduite d'Haïti, UFMORH. Nous, Delma, projet par nous, et nous travaillons sur l'année dernière, nous avons continué de travailler sur lui parce que nous voulons gagner plus d'impact. Projet ça, c'est sur article 8, article 6, qui gagne rapport tout justement pour l'État capable de faire des campagnes gouvernementales officielles, campagnes médiatiques, pour que yo combatte discrimination, qui jita sous stéréotypes, tant qu'on identifie mon handicapé dans un handicap au lieu que yo rele nan nol. Pendant ce temps, yo oublié faire justement promotion pour capacité avec valeur moun handicapé. Donc c'est projet par nous, c'est dans le cadre de ça que les chita. C'est faire plaidoyer pour l'État lui-même, non seulement yo respecter article 1, mais appliquer convention parce que stéréotype yo, c'est écraser, yo écraser justement travail que moun handicapé a fait. Joanne Garner, représentant Disability Rights Fund, une fondation qui a appuyé différentes organisations qui regroupent les personnes handicapées, déclaré qu'il a continué à supporter toute démarche qui visait sensibiliser tout secteur dans la société pour faire respecter les droits de la catégorie Mounsayo. C'est une institution qui finance l'association Moun Handicapé dans plusieurs côtés dans le monde, mais particulièrement en Haïti, en Essa, nous sommes là aujourd'hui pour nous lancer 12 projets que nous gagnons dans le département de l'Ouest pour l'année 2018-2019. Donc, nous gagnons avec nous 12 associations, représentant 12 associations Moun Handicapé, qui défendent le droit Moun Handicapé. Et nous-mêmes, dans le DRF, nous croyons que Moun Handicapé, c'est eux-mêmes qui pour devant la scène, devant scène, qui pour défendre nous supporter l'association SAYO pour être capable de faire plaidoyer pour l'État lui-même, être capable de respecter l'engagement. Responsable Disability Rights Fund déclaré que chaque année, il sélectionne des projets, organisations dans la société civile pour aider l'intégration même dans le secteur handicapé. Merci Naftala avec Hervé. Pas déplacé, nous prenons l'autre pause. Merci pour fidélité nous. N'attendons dernier parti journal ça dans actualité en sous-plan international. Pour nous faire connaître, président turc Recep Tayyip Erdogan déclaré mardi 23 octobre tout le monde qui est impliqué dans l'assassinat journaliste saoudien Jamal Khashoggi doit joindre punition. Dans ce sens, Recep Tayyip Erdogan demandé pour 18 suspects qui ont été arrêtés dans l'Arabie saoudite jugés dans Istanbul. Président turc l'a demandé tout pour interpeller l'autre complice qui originait l'autre pays qui t'a impliqué tout dans le dossier ça. On suit.
Président turc là, Recep Tayyip Erdogan, déclaré mardi 23 octobre là, tout le monde qui est impliqué dans l'assassinat journaliste saoudien Jamal Khashoggi doit joindre punition. D'après président turc là, conscience internationale là appelle les monde qui impliqué yo ak supporté yo joindre punition côté le proposé pour 18 suspects qui ont été arrêtés Arabie Saoudite yo jugé dans Istanbul. D'après président Tayyip Erdogan, c'est un pas important pour côté gouvernement saoudien qui reconnaît zak assassinat ça. Dans le discours prononcé devant le groupe parlementaire parti la dirigé dans Ankara mardi 23 octobre là, Recep Tayyip Erdogan déclaré la mort Khashoggi 2 octobre passé a été planifié plusieurs jours à l'avance. Contrairement à la version saoudienne d'après lui qui fait quoi c'est un zak qui arrivait sans attendre. Chef l'État turc l'a déclaré qu'il y a 15 agents saoudiens qui arrivaient au chaque pour contre dans Istanbul, qui étaient dans le consulat saoudien dans le matin, journaliste la mouria pour retirer disque dur, système vidéo surveillance, représentation diplomatique là. Président turc l'a qualifié la mort Khashoggi de assassinat politique, côté demandé pour interpeller l'autre complice qui originait l'autre pays citadin. Président turc l'a déclaré qu'il confiait à Salman à coopérer avec dans l'enquête qui l'ouvre dans le dossier ça. Et puis toujours dans l'actualité, en l'autre bord de l'eau, j'en ai annoncé dans le grand titio, plusieurs cailles envahies à l'eau et puis la rio chargée la boue à cause ouragan Willa qui se route pour rentrer dans le pays Mexique mardi 23 octobre 2018. Là. Gros la pluie déjà prend devant ouragan Willa qui formait dans le Pacifique. Là. Il doit frapper côte nord-est pays Mexique dans le moment Cap Vinio avant Cap souffler jusqu'à 240 km. Heure. Dans un premier temps, ouragan Willa était classé dans catégorie 5, niveau qui piwoa. Et puis, il était rétrogradé dans catégorie 4, mais il a toujours été dangereux d'après Centre américain ouragan. Plusieurs messages prévention te transmettent par la population. Hein. L'école est fermée et puis hôtel station balnéaire Puerto Vallarta est évacué. La présidence démentit information qui a circulé sur réseaux sociaux comme quoi machine membre dans famille présidentielle là a subi attaque armée mounio pas arrivé identifié. Gouvernement haïtien signé un protocole accord à gouvernement japonais sous développement programme économique et social. Cérémonie en déroulée mardi 23 octobre dans le ministère Affaires étrangères. Commissaire gouvernement paquet Port-au-Prince, maître Opnam Klameda Meus, présenté plusieurs documents li recevoir suite à une série correspondance li était adressé à plusieurs institutions dans le pays sous dossier gestion fonds pétro Caribéa. L'actualité en l'autre bord de l'eau, plusieurs cailles envahies à l'eau et puis la rio chargée la boue à cause ouragan Willa qui se route pour frapper pays Mexique mardi 23 octobre. Ouragan Willa doit frapper côte nord-est Mexique dans le moment Cap Vinio avant Cap souffler jusqu'à 240 km/h. Merci tout le monde qui t'a suivi. Deuxième sortie journal pour semaine ça en présentation. C'était Linella qui était avec nous. N'a remercier toute l'équipe qui t'a mis tes mains pour te révéler ni possible. Et puis n'a souhaité nous une très bonne fin de soirée sous TNH. Au revoir.